Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la question de lecture, qu'on appelle aussi la question de corpus, au brouillon. Donc tout ce que vous devez faire au brouillon pour préparer une question de lecture. Alors une question de lecture, c'est d'abord un sujet de l'épreuve écrite du baccalauréat que vous allez passer à la fin de la classe de première. Il faut 1 heure pour réaliser une question de lecture en totalité. C'est un travail obligatoire et il est noté sur 4 points sur 20 en série générale, 6 points en série technologique. On peut croire que c'est pas énorme, que c'est pas, ça ne vaut pas le coup de s'y attarder. En fait, c'est souvent ce qui permet d'avoir la moyenne. Donc, c'est quand même important. Alors ici, vous avez un sujet complet de français au baccalauréat. Vous allez voir que vous soyez en série générale ou technologique en classe de première, vous allez être interrogé sur le même genre d'épreuve. Donc, vous avez ici l'objet d'étude, le chapitre, on va dire, qui est concerné. C'est un exemple c'est un vrai sujet qui est tombé il y a quelques années. Et ici, vous avez un objet d'étude qui est utilisé en classe de première, mais ce serait la même chose en classe de seconde, c'est le même principe. Donc, vous avez 3 textes, et puis sur ces 3 textes, eh bien, on vous pose une question, donc question de lecture ou question de corpus sur 4 points. Alors ici, la question, c'était quelle place les textes du corpus accordent-ils à l'homme dans l'univers? L'objectif de la question de lecture, c'est de vous obliger à confronter les documents, à les comparer, à regarder quels sont leurs points communs et leurs différences, et à répondre de manière organisée. Ça vous prend à peu près 1 heure. Il vous reste 3 heures, puisque l'épreuve écrite du baccalauréat dure 4 heures. 3 heures pendant lesquelles vous avez le choix entre 3 exercices. Soit un commentaire de texte, je vous laisse regarder le sujet, soit une dissertation, beaucoup plus générale, de réflexion générale, soit un sujet d'invention que vous connaissez bien puisque vous l'avez déjà pratiqué au collège. Donc, 16 points sur un de ces 3 exercices-là, commentaire, invention, dissertation. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une question de lecture? À quoi ça ressemble? Vous avez ici une question de lecture complète, telle qu'elle pourrait apparaître dans une copie d'élève. Donc, avec 4 paragraphes, un petit au départ, c'est l'introduction, et puis un tout petit à la fin, qui est la conclusion. Au milieu, on a 2 gros paragraphes. Donc, grosso modo, une question de lecture, c'est un recto verso de pages écrites à la main. Donc, comment aboutir à ça? C'est ça l'objet de cette capsule. Comment faire au brouillon? Donc, la question de lecture, comment la préparer au brouillon? Pour parler de tout ça, on va prendre un sujet, un exemple. Qu'est-ce qui rend ces 3 textes comiques? Il faut évidemment justifier la réponse en s'appuyant sur des éléments précis. La première chose que vous allez devoir faire au brouillon, c'est analyser le sujet. Première étape. Pourquoi? Un, ça vous permet de ne pas faire de hors-sujet. Et deux, ça va vous permettre déjà d'avoir des éléments de réponse. Alors, comment analyser un sujet? Il faut commencer par repérer les mots-clés, les surligner. Alors ici, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui rend? 3, comique, vous justifierez, éléments précis. Tout ce qui semble important, on le surligne. Il faut presque en surligner trop que pas assez. Surligner les mots-clés, c'est très important, particulièrement les termes interrogatifs qui débutent la question. Qu'est-ce qui rend? Pourquoi? Comment? Est-ce que? Peut-on dire? Etc. Parce que, en fonction de ce mot-là ou de cette expression-là, on peut très facilement tomber dans le hors-sujet. Donc, il faut vraiment s'attarder sur les formules interrogatives. Quand on a repéré les mots-clés, il faut passer du temps à les définir. Donc ici, chacun des mots-clés repérés dans l'étape précédente est défini. Alors définir un mot-clé, ça veut dire bien sûr trouver des synonymes, mais ça peut aussi être noter tout ce qu'on sait sur le mot-clé en question. Par exemple, le mot-clé comique, je ne vais pas trouver un synonyme de comique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, je vais dire tout ce que je sais sur les types de comiques. Donc je vais lister les types de comiques que je connais. On essaie d'être le plus complet, précis et souvent possible, pardon. Et c'est souvent à partir de cette étape-là qu'on peut trouver des éléments de réponse. On passe ensuite à l'étape de la reformulation de la question. On reformule la question de manière à la rendre plus explicite, à mieux la comprendre. Pourquoi tous les textes de ce corpus sont-ils drôles? Quand on a fait ça, on a fini la première étape, analyser le sujet. On repère les mots-clés, on définit les mots-clés, on reformule la question. Ça pourrait être ce qu'on appelle l'étape RDR. Il faut ensuite passer à une deuxième étape.
On a bien compris la question, on l'a même reformulée. Maintenant, il faut y répondre, trouver les réponses dans les textes. Alors, je vous propose deux méthodes. La première méthode qui consiste simplement à chercher les éléments de réponse dans les textes, le crayon à la main, et à les noter, les souligner et les noter sur une feuille de brouillon à côté. Donc, vous voyez, sur l'exemple qu'on a là, on a tout simplement sur la feuille de brouillon une liste de réponses ou d'exemples, une liste d'idées. C'est la première méthode, elle est possible, c'est pas la meilleure. Pour moi, c'est vraiment la deuxième méthode qui est la plus efficace, la plus pertinente. C'est remplir un tableau de manière à pouvoir comparer tout de suite les documents. Alors ce tableau, il se présente de la manière suivante, autant de colonnes qu'il y a de textes dans le corpus, plus une colonne à droite intitulée « Réponse à la question ». On remplit le tableau de manière verticale. D'abord tout ce qui concerne le texte 1, donc je lis le texte 1 et je relève dans les cases des éléments comiques, puisque c'est ça la question dans l'exemple. Et à chaque fois qu'il y a un élément comique, je le note dans une case et je tire un trait en dessous. Je termine le texte 1 et je passe au texte 2. Dans le texte 2, je cherche également les éléments comiques. Et si l'élément comique que je trouve est présent aussi dans le texte 1, je le mets à côté, à droite, de l'élément comique du texte 1 qui a un rapport avec celui que je viens de trouver. Je fais de la même manière pour le texte 3. Ça me permet ensuite, dans la colonne à droite en rouge, ça me permet de relever toutes les réponses à la question. Par exemple, je vais savoir que la première ligne consacrée au comique de geste, eh bien, elle est présente. Ce comique de geste est présent dans le texte 1 et le texte 2 du corpus. Pour le comique de caractère, je sais qu'il y en a dans les trois textes du corpus. Le comique de répétition ne concerne que le texte 2, le texte 3. Ça va me permettre, ça va me faciliter la tâche pour l'étape suivante. Donc quand j'ai fini mon tableau de confrontation des textes ou des documents, je vais passer donc à l'analyse du plan. Alors récapitulons avant, on commence par analyser le sujet, trouver des réponses dans les textes avec deux méthodes. La méthode 2, le tableau étant quand même plus judicieux. Ensuite, il faut classer les réponses sous la forme d'un plan. Alors ici, vous en avez un exemple. Vous avez un plan détaillé, donc trois réponses en noir ou trois arguments, c'est pareil. Comique de langage, comique de geste, comique de caractère. Et puis des exemples en bleu. Voilà un plan terminé, définitif. Alors, il y a quand même des règles à respecter pour faire un plan correct. Il doit être progressif, donc les idées doivent s'enchaîner. Il doit être relativement équilibré. Les meilleures idées doivent être à la fin et non pas au départ, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc les meilleures idées à la fin. Et le plan doit être complet, il doit contenir les arguments, mais aussi les exemples, les citations. Alors récapitulons. Pour réaliser une question de lecture au brouillon, il faut analyser le sujet avec l'étape RDR, trouver des idées, soit en listant les réponses, soit en faisant un tableau, mais en faisant un tableau, c'est plus efficace. Et en dernier lieu, il faut classer les réponses dans un plan avec des arguments et des exemples. Quand on a fait tout ça, le brouillon est terminé. Il ne reste plus qu'à prendre une feuille de copie au propre et rédiger directement tout ce qu'on a trouvé au brouillon. Mais la rédaction propre, ce sera l'objet d'une autre capsule. Voilà, c'est facile !